c'est un lycée agricole familial. On s'y sent de suite bien. On est bien entouré, on est bien encadré. Parce qu'on a des professeurs qui sont bien derrière nous, qui nous poussent quand on perd de la motivation. Je suis bien placé pour en parler du coup. Ils sont présents même en dehors des cours. Du coup, ça motive pour les examens. C'est plus facile l'apprentissage avec des formateurs qui nous suivent de A à Z. C'est mieux, c'est plus rassurant, on va dire. Ils améliorent les équipements d'année en année. Là, par exemple, ils ont refait la stabulation et la salle de traite pour le milieu agricole, mais c'est pareil pour les autres secteurs. Nous avons des cuisines pédagogiques avec une quinzaine de postes pour pouvoir faire les TP de cuisine. Il y a deux salles de TP de soins. Donc il y a une partie avec l'aménagement des personnes âgées et une partie pour le côté des petits. Dans ma formation, nous avons une bénévole aussi qui vient pour faire la langue des signes. Donc c'est un plus pour nous. On a également une salle de vente. Donc avec caisse automatique qu'on peut trouver dans les magasins de maintenant. On a eu différentes sorties, donc ce qui nous a permis de découvrir le monde du travail. Mes parents ne viennent pas du métier en fait. J'ai décidé de partir en apprentissage justement parce que je ne connaissais pas bien le métier. On gagne en confiance, on est autonome parce qu'il faut gérer les cours et aussi le travail à la ferme. J'accroche mieux comme ça, j'arrive à mieux accrocher au cours. C'est pas toute l'année, c'est pas barbant. Quand on finit notre apprentissage, notre diplôme, on a de l'expérience, on a 2 ans d'expérience. Et puis en fait, on grandit. L'apprentissage, ça nous fait grandir. Pour moi, j'ai fait de belles rencontres au lycée. Enfin, je ne regrette pas du tout d'être venue ici. Je suis aussi à l'internat et c'est là qu'on fait les plus belles rencontres. Quand je repasserai au lycée, je repenserai à tous les projets qu'on a fait ici. Je suis plutôt serein pour mon futur métier.